Devant nous, notre origine et la fin de cette première expédition à la rencontre des héros de la Méditerranée française. Nous naviguons ensemble, unis et heureux de nos premiers accomplissements. Dans ces derniers instants, nous devons encore aller à la rencontre des écoliers de Cannes, puis déposer nos échantillons scientifiques à l'Institut de la mer de Villefranche-sur-Mer, et enfin rentrer à Monaco. Comme rien n'est jamais acquis, et comme si la Méditerranée souhaitait que notre aventure s'étende encore un peu plus, une dégradation météo nous oblige à nous abriter au port de Saint-Raphaël. Se réfugier à Saint-Raphaël parce qu'il y a un gros coup de vent en Méditerranée qui va souffler cet après-midi. Ils annoncent des vents jusqu'à 120 km/h juste devant là, et probablement que dans le port aussi on va se faire remuer. Alors ça va être une tempête éclair qui devrait pas durer plus qu'une journée. Normalement demain matin tout revient à la normale, mais on va être très heureux d'être ici à l'abri. Et ensuite, eh bien, ça y est, c'est la fin de l'expédition, retour sur Monaco. Malgré tout, autant le bilan d'expédition est très positif, autant ce qu'on a découvert et ce qu'on a appris avec les héros, ça, pour le coup, c'est pas très très positif. Et on part tout de suite à Cannes, à la rencontre des petits écoliers cannois. Et je suis persuadé qu'on va encore être surpris par l'engagement, ou en tout cas le niveau de conscience qu'ils vont avoir. Après avoir sécurisé l'amarrage du catamaran dans le port, en prévision de ce coup de mer qui s'annonce intense, nous préparons notre matériel et partons rejoindre les écoliers de Cannes. Bernard, de retour à bord, assurera la surveillance pendant ce petit épisode météo, nous laissant l'esprit tranquille pour aller vers les enfants. Bonjour les enfants. Jamais déçu par les enfants qui, toujours passionnés quand il s'agit de parler de la nature et de l'océan, participent et font grandir mutuellement leurs connaissances. C'est de cette façon que nous menons ces interventions auprès des écoliers. Nous mettons en commun toutes leurs connaissances, puis nous apportons les compléments permettant de faire le lien entre la biodiversité, les dangers et nos degrés de responsabilité dans nos choix quotidiens. C'est impressionnant, comme si jeunes, ils intègrent et mesurent l'importance de ces informations. Si les rencontres avec les héros assombrissent le ciel de nos espérances, tant les efforts à mettre en œuvre sont immenses, les rencontres avec les enfants nous redonnent chaque fois espoir pour notre avenir. Ce seront eux, les décideurs de demain, lorsque les responsables d'aujourd'hui transmettront leur bilan. Content d'avoir parlé de l'océan ? Comme toujours, sans perdre de temps, dès le lendemain matin, nous appareillons en direction de Villefranche-sur-Mer afin de remettre à Nathalie Vigier les échantillons que nous avons collectés. L'occasion d'expliquer un peu plus en détail l'objet de ces recherches très importantes et le rôle que Thalas joue et jouera scientifiquement. Oui,
Certaines pollutions chimiques sont très difficiles à mesurer, tant leur concentration est faible dans l'eau de mer. Pour bien faire, il faudrait des centaines, des milliers de capteurs immergés pour parvenir à analyser l'eau de mer et trouver les éléments recherchés. C'est face à cette difficulté que certains scientifiques décident d'utiliser la nature au service de la science. Il existe dans l'océan une catégorie d'animaux, les bivalves. Vous les connaissez déjà, ce sont des invertébrés comme les moules, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les praires et bien d'autres. Ces animaux ont la particularité de filtrer l'eau en permanence et de conserver certains éléments chimiques. S'il y a des métaux traces dans l'eau, les animaux comme les moules les absorbent dans leur corps. Avec le temps, les métaux se déposent, s'accumulent dans les tissus de la moule. Ce processus s'appelle la bioaccumulation. C'était notre mission pendant cette expédition, rechercher et trouver tous les bivalves possibles dans les secteurs qui intéressent Nathalie. Nous avons donc continuellement observé et scruté chaque rocher, chaque ponton, même jusqu'au milieu de la Méditerranée, lorsque nous récupérions des déchets en mer, nous avons cherché et trouvé des échantillons. Ensuite, nous avons scrupuleusement suivi un protocole afin d'extraire, assécher et mettre sous vide les parties molles des animaux pertinentes pour les recherches. C'est maintenant l'heure de remettre ces échantillons et comprendre ce que va en faire Nathalie. Je m'appelle Nathalie Vigiez, je suis chercheuse au laboratoire d'océanographie d'Île-Franche-sur-Mer. Je suis géochimiste et je m'intéresse au lithium dans l'environnement. Thalasse Océan, c'est une formidable opportunité pour moi d'obtenir des échantillons précieux des ports et des villes de tous les endroits du monde, y compris des endroits auxquels on n'a pas forcément accès facilement, qui ne sont pas associés à des laboratoires scientifiques ou à des observatoires de suivi de l'environnement. Bonjour Nathalie. Bonjour. On est dans la salle blanche. Effectivement, on appelle cette salle une salle blanche, une salle de chimie hors poussière. L'idée, c'est de pouvoir manipuler nos échantillons dans des conditions ultra propres, ultra protégées, de façon à ne pas contaminer nos échantillons par des poussières atmosphériques ou des éléments qui se situent dans les aérosols. On a pu prélever des moules vivantes dans différents endroits. On a suivi le protocole scientifique que tu nous avais envoyé. On les a mis sous vide. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire ? Alors c'est formidable, d'abord merci beaucoup parce que ce sont des échantillons uniques et très importants pour moi. Donc ces moules en fait, je vais analyser leur concentration en lithium et en métaux traces pour voir si les sites que vous avez visités sont déjà contaminés en lithium. On a mis en évidence récemment des premières pollutions en lithium dans l'environnement. Et c'est un élément qui est très très peu suivi, très très peu étudié. On est en train de réaliser les premières études de l'impact du lithium sur les organismes marins et marins côtiers en particulier. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des données par rapport à la dangerosité du lithium, par exemple, sur l'organisme humain ? Non, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Il n'y a pas encore d'études précises sur l'impact du lithium sur la santé humaine. C'est une pollution trop récente. Voilà, c'est ça. C'est une pollution qui est récente, qui n'a pas été encore anticipée ni mesurée. À l'échelle globale, les estimations, c'est moins de 1% du lithium qui est recyclé à l'heure actuelle. Étant donné l'usage massif des piles au lithium, lithium-ion, dans les dizaines d'années qui viennent pour réduire l'utilisation des énergies fossiles, moi, ça m'a alertée. Est-ce que son impact il est effectivement toxique ? Quels sont les niveaux de toxicité du lithium ? C'est des questions auxquelles il faut répondre, je pense, dans un délai assez court. Les recherches de Nathalie sur le lithium sont pionnières dans le monde entier et les enjeux qui découleront de ces découvertes pourraient influencer considérablement les législations, qu'elles soient industrielles ou sanitaires. Ces échantillons vont désormais intégrer un processus extrêmement poussé de séparation puis d'analyse moléculaire. Et les données alimenteront les recherches de Nathalie jusqu'à notre prochain départ pour renouveler ces échantillonnages in situ. Avant de nous quitter et de laisser Nathalie à son travail, Louise souhaitait poser une question. Et donc je crois que Louise elle a quelques questions à te poser. Tu viens avec nous ? Bonjour Nathalie. Bonjour Louise. Est-ce que tu trouves que ton travail est dangereux ? Mon travail est dangereux dans cette salle. C'est pour ça que tu as mis des lunettes, par exemple, parce que dans cette salle de chimie, on manipule des produits dangereux, des acides forts qui sont capables de,
d'attaquer la peau, de nous brûler. Donc on se protège pour éviter au maximum les accidents. Qu'est-ce que tu pourrais découvrir de plus grave ? Il est important de savoir si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on risque d'avoir un impact néfaste sur la santé. Est-ce qu'on risque de provoquer des maladies ou des effets toxiques à cause du lithium ou d'autres contaminants ? Si on démontre que le lithium crée aussi une perte de biodiversité, impacte la biodiversité, que c'est pertinent d'utiliser des piles au lithium, c'est cette question qui m'interpelle et à laquelle je voudrais répondre. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette collaboration avec Nathalie est une chance formidable d'augmenter l'impact positif des expéditions de Thalass et dans notre prochain navire qui sera équipé d'un laboratoire scientifique entier dédié à la recherche et à la génétique, nos possibilités seront encore décuplées pour faire avancer la science. En attendant cette prochaine étape, concluons celle-ci en rejoignant Monaco, port de départ et port d'arrivée. Si nous sommes attendus par les amis et soutiens de Thalass, nous allons aussi avoir une visite d'un dernier héros. Si nous naviguions dans les eaux tumultueuses des Caraïbes, nous réfléchirions à deux fois avant d'accueillir un tel personnage. Mais ici, les pirates sont bienveillants. Le pirate blanc est un symbole local pour les enfants malades de l'hôpital Lanval. Un hôpital niçois accueillant des enfants souvent confrontés à de très grandes difficultés de santé. Alors chaque année, le pirate blanc sillonne les eaux méditerranéennes et récolte des jouets, tout en écrivant chaque jour une aventure que les enfants peuvent vivre par procuration en suivant les escales et les navigations. Thomas ? Pirate blanc. Bonsoir. Je suis hyper heureux de t'avoir à bord. Et c'est un grand plaisir. Comment t'es venue l'idée du pirate blanc ? Pourquoi c'est aussi important ? Les enfants qui sont hospitalisés pendant un certain temps ont besoin de rêver un petit peu, de penser à autre chose. Explique-moi un petit peu comment ça marche exactement. Depuis le mois de juin, on dépose dans les 25 ports partenaires de Marseille jusqu'à Menton des coffres de pirates. Et à partir du mois de septembre, pendant 3 semaines, on va naviguer et on va passer de port en port, collecter le contenu de ces coffres. Ce qui va permettre cette année, pour la deuxième édition, de passer le cap des 1500 jouets et jeux tout neufs et magnifiques. Et on essaye de participer un petit peu. On est des gens très chanceux dans la vie. Et donc on essaye de rendre un tout petit peu à tous ces enfants qui souffrent pour essayer de leur alléger un petit peu ce passage à l'hôpital qui n'est pas toujours amusant et évident. Comment est-ce que tu verrais le pirate blanc dans 5 ans ? Comment tu voudrais qu'il devienne ? Si on peut faire toujours plus pour les enfants, ben on fera toujours plus et c'est l'objectif. Donc ça, ce sont des jeux qui permettent de découvrir le monde, les animaux. Et on veut donner ça. Oh, comme c'est gentil. Pour les enfants. Merci beaucoup, Yves. Merci, c'est super gentil. Et par-dessus, est-ce que je devrais aller bras assez costaud ? Tu crois ? Oui. Merci beaucoup, c'est adorable en tout cas. C'est adorable. Donc ça va à des petits-enfants et qui sont hospitalisés à la Fondation Lanval de Nice. C'est un hôpital pour enfants. Donc c'est vrai que ces petits cadeaux, c'est des grandes choses pour eux. Et je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup leur plaire. C'est sur cette dernière rencontre pleine d'humanité et de pensées émues pour tous les enfants que s'achève cette première expédition de Thalass Océan à Monaco. Moment propice pour revenir sur ces 60 jours d'aventure maritime, de rencontres enrichissantes et d'actions concrètes. À travers les vagues de l'océan et les échanges poignants, une histoire s'est écrite, portée par la passion et la détermination à préserver notre précieux écosystème marin.
En 60 jours, nous avons découvert Rachid Benchaouir et sa start-up Coraliotech, qui en plus d'élargir la connaissance de l'océan, propose un modèle d'exploitation des merveilles du corail sans impact et durable. Nous avons pris conscience de l'importance et de la fragilité du plancton, socle de toute la vie marine et acteur majeur de la régulation du climat grâce à Marin à Villefranche-sur-Mer. Michel nous a fait découvrir le Star Réseau et la nécessité de maintenir un niveau de surveillance constant et de partage des connaissances marines, notamment concernant les langoustes rouges. Marie-Catherine a réussi à lever les doutes que nous avions et nous faire apercevoir l'espoir que représentent les aires marines protégées, principal levier pour protéger et reconstruire les écosystèmes. Luc Vanrel nous a plongé dans le lointain passé des hommes d'autrefois et permis de comprendre à quel point notre climat change et doit représenter une priorité absolue pour l'avenir de l'humanité. Sandrine et avec elle Ocean Quest nous ont démontré cette nécessité de former et apprendre pour nous resituer à notre juste place, celle des gardiens de notre planète. En 60 jours, nous sommes allés à la rencontre de plus de 1000 écoliers à Ajaccio, Bonifacio, Marseille, Cannes, Monaco, Menton. Ces jeunes esprits ont été initiés à la grandeur des océans et à l'importance cruciale de leur rôle dans la préservation de notre planète. Dans ces instants précieux, une graine d'inspiration a été semée, nourrissant l'espoir d'une génération tournée vers un avenir bleu. En 60 jours, nous avons échangé avec plus de 500 étudiants ingénieurs et réunit 15 écoles qui composeront et animeront le programme Ingénieur pour l'océan, l'innovation, la production efficiente, le recyclage ingénieux et l'énergie renouvelable. Ces thèmes, parmi tant d'autres, captivent les esprits et enflamment les passions. Chaque avancée, chaque idée révolutionnaire, chaque pas vers un avenir durable fait vibrer notre essence collective. En 60 jours, nous avons collecté 5 échantillons et participé aux recherches scientifiques sur la pollution marine au lithium, enjeu majeur des prochaines décennies. Dans la grande histoire de l'exploration, l'océan se manifeste comme le sanctuaire de l'héritage des légendes, des braves de Bougainville aux pionniers de Cousteau. Ces explorateurs français ont tracé des routes nouvelles, révélant les premiers secrets des abysses. C'est uni par cette curiosité sans limite que nous œuvrons pour bâtir un monde durable aux côtés des jeunes esprits, des ingénieurs visionnaires et des scientifiques. Lao Tzu a dit « Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas ». Ce premier pas nous engage vers un long voyage pour l'océan. L'aventure démarre ici.